Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast et direction l'hippodrome de Deauville ce samedi avec le prix du Champ-Durand. C'est un quartier qui ne s'annonce pas des plus évidents avec ces 3 ans qui ne sont pas toujours faciles à situer. Comme toujours, le feu rouge pour l'impasse où on freine, le feu orange pour le coup de folie où on ralentit et enfin le feu vert pour le coup de foudre où on accélère. 16 poulains et pouliches sont au départ, donc sur la distance de 1300 mètres, en ligne droite, sur la piste, en herbe. Donc, on commence tout de suite avec mon impasse et c'est le numéro 14. Fou furieux, c'est risqué de ne pas le mettre dans ces jeux, car il sera peut-être parmi des concurrents en vue, d'autant qu'il est associé à Maxime Guyon. Mais je pense que comme il a gagné son handicap lors de sa dernière tentative avec la pénalisation, ça peut être un peu plus compliqué. Il a moins de marge, je le trouvais déjà avec une faible marge lorsqu'il a gagné. Là, avec cette pénalisation et en valeur 37, je pense que ça paraît plus compliqué. Je vais donc tenter de l'écarter. Mon coup de folie, c'est le numéro 11, Zeolakis. C'est un Hongrois de 3 ans qui n'a couru que 3 fois depuis le début de sa carrière. Deuxième et premier en dernier lieu. C'est une première à ce niveau, associé à Eddy Hardouin qui aurait pu être associé à d'autres concurrents et qui le connaît bien malgré son manque de métier. Attention à lui. Et mon feu vert, c'est le numéro 1, Agathe. Pour sa deuxième course sous l'entraînement de Christopher Hedge, je pense qu'il est capable de bien faire dans cette épreuve. Il s'agit là aussi de son premier handicap, mais Agathe a du métier, notamment au niveau supérieur, a déjà bien fait dans des parcours en ligne droite. Bref, c'est une possible révélation à ce niveau-là. Pour toucher, je propose un quintet combiné avec 7 poulains. Le 1, Agathe, donc en tête, devant le 7, le 11, le 4, le 16, le 6 et le 2. As, 7, 11, 4, 16, 6 et 2 en flexi 25%. Cela coûte 10,50€. N'hésitez pas à vous abonner à notre émission dimanche. Rendez-vous à Deauville pour un nouveau quintet. Et quel quintet, puisque ça sera le grand handicap de Deauville avec une journée où il y aura notamment le prix Maurice de Guest. Très bonne journée à tous et à très bientôt.